Épisode 27 de Vita Inimitabilis. Alors, lui, comment il s'appelle, Fronton a donc fait la conquête de Mazaka, et là on voit effectivement, comme je le disais précédemment, que les soldats pourront améliorer leur armement. Bon, on va commencer par le général, mais ça coûte quand même 100. 100 pièces d'or pour de meilleures armures, donc ça sera assez vite fait. Je vais déjà prendre quelques unités. Voilà, bien. Ensuite, alors ici maintenant, l'armée qui se trouve à Bessinus va venir attaquer Sidé. Prêt pour vos ordres. En attente de plus d'ordres. Voilà. Yunia Salinatrix va toujours jeter un œil sur ce qui se passe. Je ne sais. Voir où sont les grandes armées de l'Épide, quoi. Il faut essayer de trouver ça. Pour éviter. On voit quand même que eux aussi, leur empire est assez. Sans défense. Alors ici, ce sont les Parthes qui continuent la guerre contre les Arméniens. Donc, et là aussi une armée, une autre armée parte. Alors mine de rien, ils profitent aussi de ce moment de paix, je suppose, pour amener des troupes puissantes vers mes terres. Hein. Faut pas que je sois naïf non plus. Donc je vais continuer. Comment je vais faire? Non, je vais laisser cette armée-là s'en occuper. C'est elle qui va veiller. Elle va se mettre à Tapsacus. Alors que celle-là, qui est moins forte, je vais l'envoyer à Antioche. Je me moque que vous soyez fatigué. Où elle sera. Où je vais la terminer son l'enrôlement de la troupe. Donc je vais enlever cette, je vais dissoudre cette unité de vigile, voilà. Et j'armerai peu à peu cette légion aussi. Voilà. Bon, eh bien on va passer, je pense, au tour suivant puisque mes légions sont prêtes à attaquer Octave, mais elles peuvent pas le faire tout de suite. Hein. On a, on vient juste d'arriver. Alors, je termine le tour et je vais à l'automne 29 avant notre ère. Bon, contre Octave, je pense qu'on va faire un coup de Trafalgar, hein. On va l'attaquer par surprise, lui prendre trois villes d'un coup, dont Rome certainement, et puis après. Monseigneur désire déposer les armes. La pitié ne l'inspire pas très souvent. Nous sommes d'accord de faire la paix, comme ça ils vont pas m'embêter à Ctésiphon. Faire la paix avec les Caracènes.
Bon, pour l'instant, je suis en train de faire la paix un peu à l'est, parce qu'on va se battre contre Octave, bien sûr. J'ai pas envie... Je n'ai pas... l'intention de me battre un peu partout, quoi. Faut que je fasse... Je choisisse mes ennemis. Alors, votre refus de soutenir ces plans ont mis le général en colère, et il a choisi de financer le spectacle lui-même. Les gens se sont rassemblés pour regarder, et très vite, la rumeur comme quoi vous refusiez de prendre part à ce grand événement s'est répandue. Les gens vous appelaient monsieur et louaient le général pour sa générosité. Légende locale. Bon, je... Ouais. Alors... ça fait quoi, ça? ...131 gravitas, hein, dis donc. En politique... ah, oh. Bon, c'est bien, on a 66% d'influence, c'est bon ça. Très bien. Alors. Où en étais-je? Bah tiens, on va. Puisqu'on a terminé le premier niveau. On va revenir maintenant. Alors ici c'est quoi? Garnison d'auxiliaires. Ici c'est. Army Doctor, Doctor sa guitare Orium et poste de combat, exercice tactique, plus 6% d'attaque en mêlée, pour toutes les unités, bon bah ça c'est bien, on va prendre ça, exercice tactique, hein. C'était ce qui faisait la force de l'armée romaine, c'était la discipline, la tactique. Hein. Bon, et ben on va déclarer la guerre à Octave, hein, je crois que c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de prendre toutes les villes qui sont sous notre à notre portée. Puisque je vois pas de grosses armées, et en plus il est en train de tout perdre là, Octave. Donc il faut se dépêcher avant que l'Épide devienne la puissance, notre puissance rivale. Alors, on va pas se gêner, on va attaquer tout de suite Octave, je pense. Voyons voir sur le plan. Alors, Rome d'Octave, lui il est en guerre que avec l'Épide. Voilà. Et la Rome de l'Épide, il est en guerre, l'Épide, avec pratiquement tout le monde, même nous. Donc, puisqu'on est déjà en guerre. Eh bien, on va lui déclarer la guerre. Mais on va le faire proprement, pas par surprise. Salutations au nom de l'État, bla 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 bla. Déclare bon, la guerre. Que voulez-vous ? Déclarer la guerre en ayant des traités ou peu après les avoir rompus est considéré comme une trahison et est condamné par toutes les factions. Tour restant 2. Ah, j'ai encore 2 tours avant de déclarer la guerre. Bon, tant pis. On va profiter, hein. Voilà. Par pitié, mettons donc un terme à ce débat et rencontrons-nous sur le champ de bataille. Donc ils sont rejoints par les Belges, les Gaules, la Gaule et les Helvètes. Voilà. Ça y est, la guerre est déclarée. Alors, bien sûr, Lucius va assiéger Rome. Bon, c'est même pas la peine de faire la bataille. Résolution automatique. Et il n'a perdu que 95 hommes. Donc il occupe Rome. Et il prend un rang. Ainsi que la Légion qui a participé à la prise de Rome. Voilà. Et là aussi, on peut améliorer nos troupes. Mais attends, on va déjà commencer par les récompenser. Alors, on va mettre redoutable combattant et lui, il est surtout zélé, hein, comme on peut le voir. Alors, est-ce que je peux encore avoir plus de zèle? La ruse, c'est surtout de la ruse. Ah
bah on va mettre Gary. Attends, à moins qu'il y ait... Ça c'est quoi? C'est ruse? Ah non, c'est la ruse surtout. C'est surtout de la ruse que je lui donnais. Alors là, on va faire tacticien. Plus 3 de ruse en tant que général. Plus 16 de portée de déplacement. Allez hop. Voilà, c'est intéressant. Donc, Rome, nous venons de prendre Rome. Marc-Antoine va prendre Brindisium. Là aussi, résolution auto, victoire décisive. Il a perdu 191 hommes, il a détruit l'armée de garnison et la flotte, et il occupe Brindisium. Marc-Antoine gagne pour la première fois un rang. Alors, lui, on va lui mettre l'autorité, lui, hein, c'est... voilà. Et puis, la troisième armée, là-haut, au nord, voilà, va nous avons fin de bataille. Prendre Batavium. Là aussi, en résolution automatique. Il a perdu 153 hommes, mais il prend Batavium, et lui aussi prend du grade. Alors, lui, on va lui donner plutôt donc dans le zèle guerrier. Voilà. Bien, alors, comme on peut le voir, toutes les armées apparemment peuvent s'améliorer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent améliorer. L'armure de niveau 1 aussi. Est-ce que c'est parce que j'ai du fer, hein, et que ça, c'est pour toutes les armées, ou est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas, on va regarder. Non, parce qu'ici, je n'ai pas conquis du fer en plus. Donc, à mon avis, une fois qu'on a une ville qui a du fer, on peut améliorer toutes ses troupes, apparemment. Ce qui est donc vraiment important de tenir Mazaka. En Italie, les ressources, c'est l'huile d'olive, le vin et le verre. Alors voilà. Donc, je réduis encore la puissance d'Octave. Alors bien sûr, il a des flottes quelque part. On verra ça après. Polo se dirige vers la ville de Cidé. Je sais plus si j'ai joué ou pas, je me rappelle pas. Nous avons fin de bataille. Bah non, c'est bon. Et ben il va attaquer Cidé. Laisse-les battre en retraite comme des chiens. Alors là par contre, on va donc faire le siège. Personne n'en réchappera. Je vais enrôler des mercenaires. Alors ça c'est quoi? La cavalerie cappadocienne. ...49 en attaque, dégâts 29, morale de base 70. Morale de base 35, portée 80, 45 dégâts des tirs, c'est mieux ça. Hein. Donc je vais prendre une unité comme ça. Les montagnards mercenaires. Bon, je vais prendre la cavalerie surtout. Voilà. Et on va faire la bataille pour prendre Cidé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Cidé? J'ai pas bien vu. On va regarder. Alors, il y a des troupes des pillards d'assaut. L'armée de garnison. Avec apparemment deux unités fortes, lourdes. Alors, ça, c'est l'armée. Le faiseur de veuves. L'armée de garnison. Et puis une petite flotte de garnison. Bon.
Bah, on va se battre. Hein. Eh bien, on se retrouve sur le champ de bataille. Il n'y a pas de mur dans le monde qui puisse nous empêcher d'entrer. Pas d'homme qui rivalise en bravoure. Pas d'épée plus coupante. Pas de lance plus précise. Pas de dieu aussi miséricordieux que les nôtres. Alors, nous allons conquérir cet endroit. Bien, eh ben donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai mis ma cavalerie, une cavalerie de tirailleurs mercenaires à cheval sur la colline ici. Et puis on va lancer notre armée tranquillement à la romaine. Hein. Maintenez la position. C'est parti. Ici, j'ai mis mes infanteries auxiliaires pour venir protéger les ailes. Mon légat est à cheval, ce que je n'apprécie pas trop. Et puis là, j'ai ma cavalerie mercenaire. Voilà. Alors, voyons voir les ennemis. Ils se massent donc au centre du village. Ici arrivent des renforts. Bon, je pense que ce sont surtout des troupes, voilà, des... Comment qu'on appelle ça? Des petites troupes de... À part cela, bretteurs, mais sinon... Voilà. Ce sont surtout des membres de tribus celtes. Ouais. Donc ça fera... Je pense qu'on pourra les combattre assez facilement. Des lanciers galates. Alors mon plan, ça va être d'avancer mon armée forte... de front. Et puis sur les ailes, les... Les auxiliaires, les infanteries auxiliaires. Ma cavalerie va aussi avancer un petit peu. Là, pareil. Voilà. Bon. Alors, mes vélites vont... Avec moi. En cadence. Oh, pas cadencé. Troupe avance. Bon, je pense que c'est aussi ça qui fait la force des Romains, ça. C'est d'avancer au combat en ordre de marche. Donc les ailes sont protégées. À votre service. Même vitesse. Cavalier Lesse. Suivez-moi, infanterie. Alors je vais envoyer que deux cohortes s'engager ici. Ceux-là, ils vont s'arrêter. Les cavaliers vont venir là. Le légat. Alors ici, on dirait qu'il n'y a pas de... Eh ben, on va avancer. Soutenu par une cohorte de légionnaires. Voilà, c'est bon, on les a descendus, on l'a tué. Bon, ils sont nombreux, hein, c'est sûr, hein, va falloir ménager nos forces. Alors, mes cavaleries vont venir par derrière, elles. Voilà. Légionnaire, oui, commandant. Suivez-moi. Les cavaliers vont venir par derrière, je disais. Allez. Mettez-vous ici. L'infanterie lourde doit résister. En cadence. En cadence.
ici aussi. Allez. La cavalerie, hop, par derrière. L'infanterie auxiliaire ici. Chez vous les auxiliaires, allez, et eux aussi, dépêchez-vous. Voilà, il faut maintenant les attaquer par derrière. Voilà, ne pas les pouvoir les laisser fuir. Voilà, je crois que là, ils sont vraiment pris dans la nasse, dans le piège. On va en faire un gros massacre. Je continue, hein, je les massacre vraiment. Les gars aussi il va tuer du. Voyons voir un peu ce qui se passe. Quelle boucherie! Bon, on va arrêter là le massacre. Victoire décisive, terminer la bataille. Gaius Polo n'a perdu que 63 hommes. On voit le fait d'avoir encerclé complètement l'ennemi a permis donc une belle victoire décisive et la prise de la ville de Sidée. Ce qui réduit les possessions galates à deux autres cités que nous allons essayer de conquérir très rapidement ensuite. Alors, par cette prise, nous retirons aux Galates l'accès à la mer, ce qui est très très important. C'est pour ça que j'ai préféré attaquer Sidée plutôt que Ancyra. Et ensuite, après, les légions vont se charger de Ancyra et Iconium. Donc Sidée, on va... Aïe, 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 il va y avoir un... Bon, bah tant pis. Hein. Je m'occuperai ensuite de tout ça. J'ai plus d'argent, de toute façon. Je vais quand même retirer mes troupes auxiliaires, qui me coûtent... Ça me coûte trop cher, je vais les dissoudre hein, maintenant. Voilà. Et eh bien, je crois que nous avons. Bon, de toute façon, j'ai pas d'argent pour améliorer. Yunia Salinatrix va vérifier si. Voilà, déjà on voit une armée ici, de l'épide, bon, c'est une petite troupe, ça va. Kokeya Pulla, bon, très bien, elle reste où elle est. Tarpeia Cornuta, par contre, va se diriger vers le nord. On se déplace discrètement. Voilà, pour voir où se trouvent les troupes d'Octave, apparemment, il n'y en a pas. Et ben voilà. Et on va en rester là pour ce film,
qui j'espère vous a plu, puisque quand même nous avons en un tour nous avons conquis dans ce film nous avons fait la conquête de 3 villes à Octave, hein, déclaré la guerre à Octave et ensuite pris 2 cités, enfin une cité aux Galates, ou 2 je sais plus, aux Galates, voilà. Eh bien, non, une. Ça, on l'avait pris dans le film précédent. Donc, j'espère que ce film vous a plu. Et on se retrouve au prochain épisode. Quoique, avant de terminer l'épisode, je n'avais pas lu les messages du tour. Alors, on va regarder. Hein. Surplus de population en Sicile, à Illyricum. Et en Judée, rapport de construction, donc à Ctésiphon, trait obtenu d'Equimus Petilius à la générale est indolent, c'est celui qui se trouve à Carthage, si je me souviens bien, populace inspirée en Corse et en Sardaigne, alliance établie Caracène et Parthe, le pont et les Ardaans aussi, une faction émerge, les Roxolans reviennent, l'entourage grandit de Marc-Antoine, scribe romain, je le mets en attente, rapport naval, les vélites et légionnaires, deux vaisseaux, à mon avis il y a une erreur dans les dessins, parce que je vois pas pourquoi, ça ressemblerait à des vignettes de barbares, paix négociée Caracène, faction rencontrée les Belges, la Gaule, bah oui on est en guerre avec eux, les Helvètes, trait obtenu Lucius Antonius, Général sanglant, c'est celui qui a pris Rome. Rome, avoir pris, capturé une merveille, voilà. Et colonie capturée, Rome. Colonie capturée, Brindisium. Colonie capturée, Patavium. Troupes recrutées, ouais, je crois qu'il y a des erreurs sur. Il doit y avoir un problème. Troupes recrutées. Colonie capturée. Cid. Voilà. Donc, on revient sur Rome et j'en termine là pour cet épisode. Et au prochain épisode.